Bien, salut mes petits cochons, c'est XVSK, aujourd'hui on se retrouve un peu pour la suite d'Assassin's Creed Origins, hein, tout simplement. Bon, j'ai été faire quelques petites quêtes, malheureusement pas beaucoup, hein. Je me suis dit que j'allais essayer quand même de faire des trucs en off, mais malheureusement je vous avouerai que c'est un peu compliqué en ce moment, mais bon, on va faire avec. Hein. Bonjour messieurs. Allez, on va aller donc voir le visage du lézard, et pour cela il faut rejoindre Memphis. Ne pas confondre avec la ville en Amérique. Oh, il y a une ville qui s'appelle Memphis, il me semble, en Amérique. Il me semble bien, ouais. Ah. Détruire. Oh non, on fera ça plus tard. Enfin, je ferai ça en avant, parce que de toute façon, casser la tête d'une statue, c'est pas ce qu'il y a de plus tripant, j'ai envie de dire. Hein. Allez, du 7. Vas-y, ma petite licorne d'amour. Hors de mon chemin! Hors de mon chemin! Oh! Oh, ils sont beaux les champs là-bas. Oh, ils sont classe! Ah, oh, c'est tellement beau sur les jeans! Tellement beau! Allez, dépêchons-nous! Dépêchons-nous, dépêchons-nous, dépêchons-nous! On a des gens à tuer! Allez, grouille! Ah là là! Bon, faut qu'on sera dans la zone, on va quand même regarder s'il n'y a pas des petits points de synchronisation, histoire de se dire bah, qu'on pourra synchroniser tout simplement. Allez, plus vite Bayek, même si je sais que tu t'emballes les steaks, mon petit Bayek. Ah, nouvelle ville. Oh. Ça a l'air joyeux. Mon dieu. Il faut que je parle à Pachérepta. Il doit être au grand temple. C'est beau, mais, mais les couleurs sont pas joyeuses, franchement. On croirait que. On croirait qu'il y a toutes les plèbes d'Égypte qui vont nous tomber dessus. C'est Juliet. Arrêtez de parler de rillettes. Oh là là, ça donne faim après. Excusez-moi, madame. Oh, il y a un ch'tine enfant là-bas, est-ce qu'on peut l'écraser? Gamin! Tiens! Ouais, Zach, casse-toi. Petit con, là. Oh, regardez-moi ce ciel, mais menaçant de ouf, quoi. La villa encerclée. Villa encerclée. Ça veut dire qu'il y a des gardes autour? Je sais pas. Difficile de savoir. Oula! Ah, cette ville a l'air classe! Hors de mon chemin! Faites place! Ouais, faites place! XVSK est in the place là. Oh. Eh bah, dis donc, ça en fait de la découverte. Là, je level up. Alors, j'ai comme. Je suis encore très loin du level up, je crois. Bonjour! Memphis. La ville est belle. Mais elle dégage l'odeur d'un champ de bataille. D'un tombeau. Oh. Bonjour. Oh, faut aller où là? Oh, je déteste les temples, je sais jamais par où faut aller. Qui doit? Pourquoi je peux te parler? Ah, c'est fait. Nous avons peut-être oublié une partie du rite. Si ça continue, je vais vomir. Sois certain d'une chose. Si notre enfant vient à mourir, je meurs. Non, mon Lotus, tu ne dois pas dire ça. Je dois me rendre chez le clairvoyant. Laisse-moi, je t'en prie. Prêtre. Ah, Bayek. Désolé, je suis... Je suis venu chercher le lézard. Oh, le lézard. Un fléau de plus pour notre pauvre Memphis. La ville souffre d'une terrible malédiction. La maladie, la pestilence, la puanteur empoisonnée de l'air. Le taureau Apis est malade aux portes de la mort.
Les dieux nous ont abandonnés. Les gens me consultent pour que je les guide, mais je suis aussi désemparé qu'eux. Vache. Apis, de quoi nous punis-tu ? Pâche, le mal se répand même à ma propre maison. Ma femme Taïmotep a fait 3 fausses couches cette année. Elle est de nouveau enceinte, mais si... Si elle en perd un 4e... Je vais enquêter sur cette malédiction. Le clairvoyant de ma femme t'aidera. Sa maison se trouve au sud-ouest. Si les dieux sont responsables, je serai à tes côtés pour affronter leur jugement. Le pauvre taureau ! Pas bien. Hop, hop. Voilà, allez, on y va. Du coup, quel côté ? Par là, apparemment. Il y a un petit trou ici. J'adore passer par les trous, c'est génial. Oui, j'ai encore fait une allusion bizarre, mais c'est pas grave. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Oui ! Oui ! Ma tête pas Edriette, oh là là ! Bon, il est où ? Grandis, lueur ! Approche ! Ô lueur ! Oh, mon enfant ! Tu es arrivé, enfin ! Qui est cet homme ? C'est le libérateur. Moi qui l'attends depuis si longtemps. Quoi ? Vite ! Aide-moi à tirer mon enfant des griffes de la mort. Accomplissons le rite. Apporte-moi le chaudron. Je suis le maître des choses secrètes. La forme de l'âme qui repose dans les cieux. Je suis le serviteur du grand Dieu. Sotis, révèle-toi en ce jour et réponds-moi sans détour. Laisse tes yeux s'ouvrir. Dénué d'humidité, tu dois sortir du ruisseau. Sotis, laisse leurs yeux s'ouvrir. Laisse tes yeux s'ouvrir. Et ça, les enfants, c'est une raison pour laquelle il ne faut pas prendre de drogue dans la vie. Ok, j'ai un écran noir. Oh, mais putain. Hut ! Qu'est-ce que je fous dans le désert ? Balade. Ah, j'espère que c'est nous va bien. Quel est cet endroit oublié des dieux ? Je
dois continuer, ou le désert m'engloutira. C'est le dévoreur des âmes. Le dévo quoi ? Dévoreur des âmes, on dirait un gros ver de terre. J'espère quoi pas devoir jouer à cache-cache avec ce monstre. Je vous salue, gardien qui veillez aux portes, qui avalez les âmes et dévorez les cadavres des défunts. Attendez, t'es pas déjà venu ici ? J'ai fait un long voyage. J'ai vu d'innombrables choses. Je ne suis que l'un de vous. C'est Jafar de Aladdin. Vous l'avez reconnu, vous aussi? Ça peut être que Jafar. C'est obligé, c'est Jafar. Il s'est dit, ah non, hein, moi c'est bon, hein, j'ai fait dans le cinéma, maintenant je vais faire dans le jeu vidéo. Oh merde, oh non, pas un orge pour viser, non. Anubis, seigneur des morts. Ce vieux fou m'aurait empoisonné. Nec, du poison. Ah merde, c'est sur le sol, d'accord. Oh bordel. Je vais pas faire long feu face à lui, je crois. Je saisis l'arc et je balaie le ciel. Apep n'est pas invincible. Je suis celui qui repousse le destructeur. Ah d'accord, bordel. Ray, protège-moi. Bordel, c'est spécial comme combat, hein. Moi ça m'indiquait où était le mob. Ah bah d'accord, ça m'a indiqué déjà. Tu ne dévoreras pas mon cœur. Oh non, je les ai tout coupés celle-là. Faut que je régène là. Je saisis l'arc et je balaie le ciel. Je suis celui qui noue la corde et consolide le sanctuaire. Et où ?
tout, je l'ai pas touché là. Oh mon dieu, combat à l'arc. Tu ne dévoreras pas mon cœur. Mais d'où je touche pas là? Je suis en plein dessus. Je suis celui qui repousse le destructeur. Ouais, enfin, je suis un peu en train de mourir, mais c'est pas grave. Bon, bah, ouais, je l'ai spammé, je crois. Non, ça ira pas. Je saisis l'arc. Et je balais le ciel. Oh mon dieu, que je déteste ce genre de combat. Ça fait mal, hein? Ouais. Ça fait mal, c'est de devoir jouer. Je suis celui qui repousse le destructeur. Moi je l'ai touché, c'est déjà pas mal. Un petit peu plus dur comme genre de combat ça. Oh, il est où là? What? Tu vas ressentir la colère du dieu soleil. Reviens gros. Mon heure n'est pas encore venue. Bah si, un peu, non? Oh bordel! Ah non, mais je visais en même temps. Oh. Ah, va détruire la droite. Je dois trouver un lieu stable. D'accord, il détruit la droite. Je suis la force qui brille dans son œil. Je ne rejoindrai pas la vallée des ténèbres. Il est où cet enfoiré, ça? D'où je t'ai pas eu? Retourne à la mer du chaos. Ah, le sida, ça tue! Je vais te détruire! Meurs, mangeur d'âme! Coffre. Ça ressemble à un coffre d'ici.
Papo. Papo? Regarde, Papo! Je suis Orion, le grand chasseur! Je transpercerai un scorpion de ma flèche! C'est nous! Qu'est-ce que tu vois? Ils sont revenus, tirés des griffes de celui qui plonge leurs yeux dans le noir. Mon enfant est en vie. Loués soient les dieux. Que vois-tu? Ton ennemi est le même que le sien. Refuse la nourriture du temple. Celui qui la prépare te fait ingérer la chair des morts. Va, tue l'empoisonneur, et libère Memphis de cette funeste engeance. Loué soit celui qui nous délivrera tous. Hé, hey, stop là, je suis venu avec des cheveux là. Ils sont passés où mes cheveux là? Me les rendre. Bon, bah, apparemment, on doit trouver un poisonneur. Aya! Mon amour. Tout va bien? Mieux, maintenant que je te vois. Il y a une lueur étrange dans ton regard. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rêvé. De notre fils. Bayek. L'épouse du grand prêtre a été empoisonnée. Et selon son clairvoyant, l'empoisonneur est notre ennemi. Le lézard? C'est ce que je crois. Le taureau Apis aussi est à l'agonie. Nous devons nous rendre au temple. Nous parlerons de tes rêves en chemin. Viens, en bateau ce sera plus rapide. Alors, quel effet ça te fait d'être Medjay de toute l'Égypte? Ah, c'est un peu comme suivre une colonie de fourmis. Mais je suis fier de servir ceux qui ont besoin d'aide. Moi aussi. Et je suis fier de servir la reine. Tu as parlé au grand prêtre? Oui,
avant l'arrivée de la reine. Elle vient à Memphis. Oui. La dirigeante exilée se montre au cœur de l'Égypte ancienne. Ça risque de déplaire au jeune Ptolémée. Je suis si heureuse de te revoir, Bayek. Aya, tu es l'unique source de joie qui me reste. Je veux que tu reviennes près de moi. Je suis liée à la reine, je la sers. Et notre lien à nous? Il est toujours aussi fort, mais nous savons de quoi l'ordre est capable. Nous pouvons l'affronter côte à côte. Oh, j'ai fait une promesse à la reine. Qu'est-ce qu'elle t'apporte de plus que moi? Elle m'a offert un nouvel horizon. Je ne cesserai jamais de pleurer notre fils. Jamais. Mais je veux aider à bâtir un monde qui dépasse notre chagrin. Afin qu'aucune mère n'ait plus jamais à vivre ce que j'ai vécu. Quand j'aurai tué le lézard... Quand tu auras tué le lézard, je quitterai Memphis. Alors je te suivrai. Chassons ensemble, comme autrefois. Tu as dit que des rêves t'avaient troublé. Est-ce que tu veux m'en parler? Non. Je préfère t'épargner ce fardeau. Nous devrons en parler un jour, lorsque la tempête sera passée. Lorsque la tempête sera passée. Par où on commence? Va inspecter l'enclos. Je vais parler aux prêtresses. Ah, je vois. C'est à moi de marcher dans la bouse. Hey, c'est toi qui nourris le taureau Apis? Non. Ce sont les prêtresses qui en ont la charge. Tu sais où on garde son fourrage? Dans ce bâtiment, près de l'escalier. Mais on l'a fermé la semaine dernière, quand le taureau est tombé malade. Je te remercie. C'est peut-être le fourrage qui rend le taureau malade. Mais il est trop tôt pour le dire. Il me faut plus de preuves. Du fourrage pour le taureau. Le reste doit être dans cette remise. Des noyaux de trèche. Si on en a donné à manger au taureau Apis, ça expliquerait son état. Et ce collier? Une des prêtresses jumelles emportait un semblable. Je vais aller voir si ça ne vient pas du collier de l'autre. Question du jour, c'est quand même de savoir où est-ce que je dois m'en rendre, en fait. Oh. Là, je suis en train de descendre, mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment... Oh putain, les serpents! Je suis quasi mort! Eh merde, c'était une fausse serpent! Bordel! Je pensais qu'il y en avait que deux, moi. Il y en avait plein! Par contre, c'est bien parce que dans l'histoire, j'ai eu un nouvel arc. Donc ça, on va pas s'en plaindre. Ouais, on recommence, hein? C'est bien ce que je pensais. L'une des prêtresses jumelles n'a pas de collier. Ça, c'est un moyen subtil d'empoisonner un animal. Mes sœurs, c'est sans doute un accident. Peut-être. Mais pas autant. Nous devions sauver Pancratès! Hein? Qui? Notre frère! Des bandits l'ont enlevé alors que nous allions au marché. Ils nous ont forcés à empoisonner le dieu. Ils ont menacé de jeter notre frère au crocodile. Depuis, nous en avons perdu le sommeil. Je suis désolée. Nous n'avions pas le choix. Jamais nous. Je n'aime pas ça. Ce ne sont pas des malédictions. C'est l'ordre qui est derrière tout ça. Ah.
Va au temple d'Hathor sans moi. Je ne peux pas les laisser seuls. Bon. C'était un petit peu logique que ce soit l'ordre qui ait fait ça, hein, mais bon. J'ai envie de dire, à Toro tombe malade par accident, il n'y a pas de question de malédiction ou autre. Allez, on va aller trouver le frérot là. Libre comme l'oiseau. Bon, vas-y, on va tuer tout le monde, c'est bon. Allez, yay! La grande question du jour, c'est est-ce qu'il y a des gardes à l'intérieur? Là, tu fais pas un truc comme ça s'il n'y a pas de gardes à l'intérieur. Oh, vous savez quoi, Yubo? De toute façon... Quoi? Bonjour! C'est la garde nationale, vous allez bien? Non! On a des ennuis ici! Oui, t'avais des ennuis ici. Quoi? Yep! Merde. Indique que quelqu'un fout. Le problème, c'est qu'on dirait que tout est en bas en fait. Mieux vaut ne pas. Ouais, pourquoi tu peux pas? Ah, y'a une échelle là-bas, pourquoi je me suis chié? Des blessures sans venime! On va envoyer un chien de l'échelle. Par les dieux! Ta tête! Au revoir, Captain! Oh! Ouais, tout est en bas en fait. Oui, c'est Bibi, comment allez-vous? C'est toi, Pancratès? C'est moi. Loué soient les dieux d'avoir envoyé un robuste guerrier à mon secours. Dis merci à tes sœurs, je suis blessé. Je vais te porter en lieu sûr. Eh bien, mon petit cochonou. Yeah, level up! GG, easy! Faut pas t'inquiéter, les cadavres des gardes, c'est normal, c'est bon. Parle-moi de ton enlèvement. Mieux vaut en parler quand nous serons seuls. Et puis j'ai peur que mes blessures m'aient beaucoup affaibli. Ah là là, les faibles. Oh, j'espère que les gars vont pas m'agresser parce que j'ai quelqu'un sur le dos. Ah, mitraillette. Ah, ça parle de mitraillette maintenant, c'est chouette. Les mitraillettes, c'est meilleur que les rillettes, c'est sûr. Voilà, c'est ma maison. Attends, avant d'entrer, je dois te parler. J'aimerais épargner à mes sœurs les détails les plus pénibles de ma captivité. Je comprends. L'homme qui a ordonné mon enlèvement est un prêtre d'Anubis qui officie au Grand Temple. Un prêtre de l'entourage de Pachérepta. Tu peux me le décrire? Il porte une écharpe bleue et il tousse horriblement. Le lézard. Je le tiens. Pancratès! Tu es blessé? Ils t'ont maltraité?
Il m'avait ligoté, il me donnait des croûtes de pain comme un vulgaire mendiant. Alors ? C'est l'œuvre du lézard. Et je vais encore avoir le sang d'un prêtre sur les mains. L'ordre se répand partout. Pour protéger l'Égypte, je suis prête à tuer un millier de prêtres. Nous sommes tous deux voués à la violence. Maintenant. Et à jamais. Je dois avertir Pachérepta. Il attend au palais. J'ai récupéré des chevaux près d'ici. Ouais, ben ça attendra. Vite, mon amour. Non, désolé, mon amour. Ça sera pour la prochaine vidéo, mon amour. Pour mon amour. Ah, voilà ce que je vais faire. Fouille automatique d'un ennemi après sa mort au corps à corps. C'était vu que ça avait l'air excellent. Bon, et voilà, j'ai plus de points. Je vais pas prendre ça, le coup des armes, par l'arrière de la boutique, là, parce que je trouve que ça, c'est pas spécialement intéressant, dans le sens où, en général, les armes qu'on loot sont souvent plus intéressantes qu'on trouve en boutique, donc je vois pas trop l'intérêt, en soi, d'aller prendre ça. Sauf si on veut vraiment pas se prendre la tête et acheter plein de stuff, là, oui, je veux bien comprendre, mais... Malheureusement, je préfère mettre des points ailleurs en mode plus utile. Donc ça, c'est un arc de chasseur. Celui que j'ai équipé, c'est quoi ? C'est un arc de chasseur. Bon, casse-toi hein ! Non, le jeu ! S'il te plaît. Voilà. Bon, on va tout casser. Je peux pas le casser celui-là, ok. L'arc de prédateur, on va le garder quand même. Du coup, est-ce qu'on a de quoi crafter un truc sur nous? Ah oui! Dégâts corps à corps augmentés. Ah, ça me botte bien ça. Yeah, je suis en violet! Ouais! Bon! Allez, Mulu, moi je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la. Attitude. Comme d'habitude, avec j'ai trouvé pour le cul, vous connaissez sa chanson, quoi ça dirait que sur le quoi ça dicton. Je vous laisse, je vous fais plein de poutous partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, bouti bouti, et que l'amour du bébé soit avec vous. Peace!